l'appui immédiatement. Il a joué rapidement avec Hervé Basile. Le pied gauche d'Hervé Basile. Il y a du monde dans la surface. Toujours Damien Da Silva. Il y a Ronny Rodelin. Pénalty. Pénalty pour le Stade Malherbe. De Caen. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais quelqu'un a été retenu dans la surface. Il a sorti un carton ou pas, monsieur l'arbitre? Non, j'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, on va essayer de revoir ça. Il y a un gros cafouillage, en tout cas. C'était difficile à voir d'où on était. En tout cas, ils sont fous furieux, les Amiénois, là, d'avoir encaissé cette faute. On va essayer de revoir ça, Nicolas. Ivan Santini avait marqué un pénalty, une jolie Panenka contre Dijon. Il va avoir l'occasion peut-être de marquer un nouveau but. Ce serait son troisième devant le MNK. Cette saison devant le MNK face à Régis Gürtner. Le pénalty d'Ivan Santini, le pied droit, c'est parti. La prise d'élan d'Ivan Santini, c'est parti. Elle est dedans, en pleine lucarne. L'ouverture du score du Stade Malherbe de Caen par Ivan Santini sur pénalty. 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen. Eh bien, le plus dur semble peut-être fait pour les hommes de Patrice Garande. C'était compliqué.